Pour une meilleure prise en compte des spécificités du genre dans le budget au niveau macro. Et pour plaidoyer pour la macroéconomie équitable, il faut d'abord comprendre ce que c'est que la macroéconomie équitable. Voilà pourquoi on est passé d'abord par un apprentissage qui a vraiment concerné, et nous-mêmes, équipe du projet, les responsables impliqués dans la budgétisation sensible aux gens au niveau des services techniques, les OST, qui sont les porteurs d'ailleurs de ce plaidoyer pour vraiment être au même niveau de compréhension de la macroéconomie équitable avant de pouvoir faire du plaidoyer pour améliorer les choses au niveau du Burkina. Et vous savez qu'au niveau du Burkina, depuis 2019, le pays est dans le processus de la budgétisation sensible au genre. Cependant, il y a quand même, comment dirais-je, ce n'est pas des gaps, mais c'est un défi existe parce que c'est vrai que le pays a basculé dans la budgétisation sensible aux gens, mais on a l'impression que certains acteurs responsables vraiment de la mise en œuvre de cette politique ne se sentent pas obligés de le faire. Voilà. Donc notre combat dans le cadre de ce projet, c'est essayer d'amener tout le monde d'ailleurs à reconnaître la budgétisation sensible aux gens comme une condition sine qua non vraiment à un développement équitable.